Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, j'utilise des filtres à café en papier pour faire un iris noir de Louisiane qui fera partie d'un bouquet d'iris de plusieurs couleurs. Je commence par faire une paille à l'aide d'une bande de papier journal, d'un bâton de 2 mm et de colle. Cette paille de papier journal servira de tige pour ma fleur. Puis, je peins cette paille en vert à l'aide de peinture acrylique. Pour colorer mes pétales, j'utilise de l'encre bleue, du colorant alimentaire et de l'eau. Pour ma fleur, j'ai besoin de 6 grandes pétales mauve foncé, 3 petites jaunes, 3 petites mauve foncé et 6 feuilles vertes. Ici, j'utilise ma nouvelle recette de colle fait maison. Je vous mettrai la recette sous la vidéo. Ici, je vous montre comment donner un effet papier crêpe avec un crayon. Ici, j'utilise un fil d'aluminium calibre 26. J'ai besoin de 8 tiges de 4 à 6 pouces de longueur. Ici, j'utilise une bande de papier essuie-tout et de la colle pour faire un iris en bouton. Maintenant, je recouvre le centre d'un pétale mauve, suivi d'une feuille verte
et d'une feuille beige. Maintenant, je recouvre le fil de métal d'une feuille verte. Il est temps d'assembler notre fleur, en commençant par les pétales du bas. Maintenant, les pétales du haut. On place plus bas sur la tige les fleurs en bouton. Maintenant, j'insère la tige de la fleur dans la paille de papier journal. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci.